Thank you.
Bonsoir. Bonsoir. Bon, je suis un peu en avance. Comment ils vont? Incroyable John Reynolds, évidemment. Le GOAT. Le GOAT. Persic. P3R5. Je tiens à le rappeler quand même. Comment ils vont là, là. Attendez, on va voir. Ça marche. Incroyable. Allez, let's go, on veut chier dessus. Ah bah, écoute, on fait comme on aime. Hein. Alors, figurez-vous que je me suis... J'ai installé... Alors, j'ai... Haunted PS1, évidemment. Mais j'ai installé Iron Lung, qui est un jeu indé, toujours dans le style PS1, qui se passe dans un sous-marin et on voit pas l'extérieur. Je pense que t'en as entendu parler, mon petit. Je t'en avais parlé ou tu m'en as parlé, je sais plus. Ça marche. En fait, je me suis fait juste spoiler un truc. Et je sais pas quand est-ce que ça arrive, mais je me suis fait spoiler un truc. Qu'est-ce qui me. Arrête de me parler enfin. Et j'ai chopé, puisque en vrai le délire, je sais que c'est, il y a du jumpscare et tout ce que tu veux, mais le délire me plaisait, je me suis chopé Poppy Playtime. Et je crois que Ben y a joué, et j'ai notamment choisi la partie 2. Voilà. Enfin, chopé la partie 2. Donc je sais pas si on fera Poppy Playtime ce soir, mais on verra, ouais. Après, je sais qu'il y a des gros screamers et tout, mais après, les screamers, enfin, c'est pas vraiment des screamers, c'est juste que si le monstre te chope, il y a un screamer. Mais autrement, il y en a pas, tu vois, c'est pas... c'est pas le jeu auquel il avait joué, la Backroom 1998, où j'ai regardé un let's play, et c'est juste, enfin, c'est ridicule, c'est-à-dire que vraiment, tu passes une porte, il y a un screamer. Il y a pas de monstre ou quoi, c'est juste qu'il y a un screamer. Hormis le screamer du monstre qui explose la porte, là où Ben avait gueulé de ouf, qui lui, est, on va dire, dans le contexte, il est cohérent, puisqu'il y a un monstre qui débarque et donc du coup il se met à gueuler, c'est normal. Mais j'ai regardé un autre let's play où vraiment... Enfin, c'est-à-dire que les mecs avancent et il y a des screamers. Tu sais pas pourquoi. Et on sait pas pourquoi. C'est genre le train fantôme, quoi. Mais voilà. On verra, tranquille. Je bois de la Super Bock. C'est léger, c'est cool. Enfin, c'est une bière de sport, moi j'appelle ça. C'est la bière que tu bois devant le foot. Oui, arrêtez là. Putain, j'y pense, faudrait que je demande ça. Est-ce que j'ai le droit de diffuser la musique de mon groupe pendant mes streams? En théorie, oui. Hein. Enfin, en théorie, j'ai pas les droits. Mais... faut que je joue avec eux. Je pense qu'ils s'en foutent. Mais bon. Bon, j'ai un peu prévenu au dernier moment, donc on va voir. La dernière fois, j'ai eu mon pic de... quand j'ai joué la dernière fois, là, j'ai eu mon pic de spectateurs quand j'ai joué à GTFO, quoi. Alors qu'on y a joué bien après. Mais c'est peut-être parce que les gens sont plus intéressés pour voir GTFO, je sais pas. Un peu. Ah, je suis fatigué, non. Je suis overwhelmed. Enfin, pas trop, vraiment. D'ailleurs, j'ai reçu, je vois le Goéla, j'ai reçu la lettre de Ella me disant merci pour votre don, etc., que j'avais fait, du coup, il y a un mois, plus d'un mois, en fait. Donc, je pense que je vais continuer à leur donner.
Je verrai. Mais je pense que ouais, je pense que je vais. Je compte leur donner. Ouais, c'est cool. Alors. Nous on est un peu habitués dans ma famille parce que voilà, on a beaucoup reçu ces trucs-là pendant un temps, mais. Ils sont obligés. Et je sais que ça, je sens que ça les fait chier, mais ils sont obligés de tirer l'alarmiche, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de. Eux le font pas, mais genre par exemple, je sais que le site d'action le font. Et le Téléthon, l'AFM le fait beaucoup. C'est le délire de faire des fausses lettres d'enfants. Tu vois, des ah merci beaucoup pour ton don, etc. C'est super c'est super problématique en soi. Là ils le font pas, il y a plus un truc genre c'est des témoignages avec des familles et tout. Donc c'est cool. C'est évidemment on se focalise sur les gamins, mais voilà. Ah oui non mais c'est un truc ultra répandu hein. Enfin, nous, je sais que le Téléthon, on a toujours tout fait pour le Téléthon chaque année. Ma mère a fait des trucs pour le Téléthon et tout. Et on donne systématiquement. Mais cette pratique-là, on a toujours dit non. Et c'est une pratique qui, de toute façon, je pense, elle est mal vue. En France, elle n'est pas interdite, mais il y a des pays dans lesquels c'est. C'est vraiment des fausses lettres écrites par des enfants. Soi-disant avec leurs accords, mais enfin bon. Ou l'accord des parents, enfin bon, si c'est l'accord des parents, que les. Enfin bref. Peu importe. Mais ouais, ouais. Le monde, j'allais dire le monde joyeux, pas du tout, le monde terrible des associations. Des ONG/associations. Pour les maladies infantiles, putain, c'est. Il y a des sales histoires, hein. L'AFM, il y a des sales histoires. Hein. Pavé dans la mare. Allez. On est des ouf. Tranquille, on a le temps, on est vendredi. On va pas être beaucoup, hein. Je pense que ça va être intimiste. Bon, c'est pas plus mal. Ça, on est entre nous. On est entre nous. Oh putain. Qu'est-ce que je voulais dire? Tout à l'heure j'ai vu un truc ou entendu un truc et je me suis dit tiens, faut que j'en parle ce soir. Mais là comme ça, y a rien qui me vient. Oui, bah oui, ça me va aussi. Hein. Y'a du monde sur tes streams, toi, en plus, Perzik. Je remarque ça. Parce que tu as commencé ta carrière de streameuse pas avant moi, parce que moi j'ai commencé en 2016. Mais arrêtez, nom de Dieu. Alors, comment on met en sourdine une plus? Je veux pas quitter le groupe. Notification en mode silencieux, c'est ça. C'est le groupe WhatsApp de mon groupe. Je crois que je stream le taf, ouais. Ouais, de ouf! Non, mais ça. C'est ça que j'ai trouvé impressionnant. Impressionnant! Pim 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 pim. Où est-ce qu'il est rangé ce jeu de con d'ailleurs? Où est-ce que j'ai mis ça moi? Bon, j'ai souvenir de où on était à peu près, hein, donc ça devrait le faire, mais. Games. C'est bon. Bon, sans plus tarder. Attention, fade out nul. Et voilà, c'était pas un fade out, en fait, j'ai juste coupé la musique. Alors, on va faire. Paf! Ah, il passe qu'en plus. Évidemment, paf. On va faire. C'est...
Oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Display capture. Transition. D'ailleurs, je vais faire un truc tout bête. Oh. Je vais vous ajouter le chat sur le truc. Ok, c'est bon, il me l'a sauvegardé. Oui, achieve. Ok, alors... Je vais mettre une lumière un petit peu plus cosy, voyez-vous, parce que là, là, on voit trop ma tête, j'ai pas peur, etc., etc. Hop là. Alors, paf. On voit plus rien. Là, c'est pas mal. Je suis un peu rougeâtre, mais c'est pas mal. Ouais. Ouais. Non, vert, c'est terrible. Bleu, c'est pas mal. Bleu, c'est pas mal. On voit vraiment pas, mais bleu, c'est pas mal. Bon, bleu ou rouge? Blouge. Si vous avez la ref. Non, c'est pas ça. C'est pas blouge. Bleu l'aune. Qu'est-ce que ça fait quand on... Alors, qu'est-ce que ça fait quand on mélange du jaune et du bleu? Thérèse, bravo, c'est bien. Allez, ce sera bleu. Bon. Fear the spotlight. Celui-là, je l'ai fait. Sorry, we're open. Ça, je l'ai fait, mais c'était un genre de jeu de gestion bizarre. House of Necrosis, ok. Ah, c'était Ten Dead Doves que j'avais pas fait. Et en même temps, j'ai pas la clé. Donc, je peux pas le faire. Tac. Mothered, let's go. Ok, Mothered, they speak from the abyss. Je l'ai pas fait. Gob, c'était bien. Gob, c'était très bien, même. Spectral Arcade, j'y étais. C'est là où il me manquait des pièces à la con. Bon, on va se faire... Mothered ou They Speak From The Abyss? Ouais, They Speak From The Abyss, j'ai choisi. Hop là. J'ai l'impression d'avoir déjà fait, lui. Trapped in a world filled with horrific demons, taunted by the vision of a woman she can only vaguely recognize. Mais oui, je l'ai fait. C'était un dungeon crawler, je l'ai fait, c'était pourri. C'était pourri, c'était too pourri. Ok, je vais faire je vais faire Mothered, let's go. An immersive first player horror adventure where you play as Liana, a young girl who arrives home after a major surgery and is met with a strange mannequin claiming to be her mother. Donc celui-là, je crois que le jeu entier est sorti. En tout cas, j'en ai vu du let's play. C'était très badant. C'est ça. Alors, l'esthétique est super bien. Je vous préviens. This game features themes of abuse, sickness, death. Super. Il y a un orage qui approche pile à temps. On peut seulement espérer que ce sera le dernier. Clic gauche pour se réveiller. Je suis arrière d'une voiture, je peux pas trop bouger. Donc on est dimanche soir, c'est écrit derrière ma tête là. Quand l'interface est active, clique gauche sur les objets pour interagir. D'accord.
D'accord. Ça, c'est mon papa. Ok. Est-ce qu'il gâche, Je vous préviens, moi j'ai vu des let's play, l'ambiance est bizarre. Ah, sorry Liana. Je ne voulais pas te réveiller. On dirait que je devais encore penser à voix haute. Bon timing, nous y sommes presque. Je sais que la chirurgie t'a pris, l'opération a pris beaucoup de toi. T'as enlevé beaucoup. Mais je pense que te ramener à la maison va faire toute la différence. C'est important pour toi d'être avec maman. To remind you of all things. Pour te rappeler comment les choses étaient. Bon, déjà, c'est bizarre. Si tout va bien, j'ai foi que tu seras de retour à ton ancien toi à la fin de la semaine. Tu en as traversé beaucoup. Je suis juste heureux de t'avoir sorti de cet endroit. C'était pas bon pour ta tête. Bon, il est bizarre, Dali. Tu sais, Eliana. Mon papa, il a coupé la radio. J'ai un bon pressentiment à propos de cette semaine. Je sais que j'ai été très occupé au travail ces derniers temps. Pour te dire la vérité, ça me fait honte que je n'ai pas autant de temps pour voir ma famille qu'avant. Phrase existe. Mais je veux juste que tu saches quelque chose. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Je vais te donner un appel. Je vais t'appeler jeudi soir. Rappelle-toi de t'en rappeler. Oui. La maison est sur la droite. Juste à temps pour le coucher du soleil. Bon, c'est bizarre, hein. Je suis pas rassuré. Et le jeu, il plante un peu aussi. Ok, j'aime pas du tout cette musique. Eh bien, nous y voici. Allô ? The storm speaks up. Ok, il faut que je me grouille. S'il fait trop noir, cherche les interrupteurs. J'ai failli oublier, ta maman a laissé une boîte pour moi, quelque part là-dedans. Est-ce que tu peux me l'amener avant que tu ailles au lit? J'attends juste ici. Ok, daddy. L'ambiance est bizarre, j'aime pas trop ça. Ok, j'aime pas du tout. J'ai allumé la lumière de ma maison. Ça me fait peur ici. J'ai peur. Ouais. Bon, apparemment, il y a une boîte pour mon papa, mais je sais pas où elle est. J'ai peur. Là, c'est une note pour moi. Bienvenue, Liana. J'espère que ça a été. Désolé, alors faut que tu prennes le cocon avec une lumière et tu le fais passer en haut à gauche. Quoi ? Quoi ? Le cocon avec une lumière ? Ah non, c'est bon. Non. Vous arrêtez maintenant. Sorry, I'm not there to welcome you, d'accord. Je ne me sens pas bien ces derniers jours, donc j'ai dû aller au lit plus tôt. Je me rattraperai avec toi ce matin. Maman. J'ai laissé un truc sur le sofa, d'accord. Parce que je lui amène. Oui, il en a besoin pour le travail. Il y a une lampe derrière toi, ça va aider. Ah bon? Bah, elle est où la lampe derrière moi? Il n'y a pas de lampe. Alors, je suis vraiment une gamine, quoi. Ah oui, the lamp. J'ai touché la lampe. Il est où le sofa de ses morts? C'est un sofa ça? Qu'est-ce que ça, hein? Oh alors. C'est quoi cette merde?
Pourquoi il y a un feu dehors là? Il y a un truc qui brûle? Il y a un truc qui brûle dehors? Oh lolo. J'aime pas trop l'ambiance. Attendez, je vais aller voir ce qui brûle. Ouais, mais à part que je peux pas du tout, parce que tous les coups, voilà. Ah, quand on est à côté de la maison, y a plus de pluie apparemment. D'accord, ouais, ok. Voilà, voilà, c'est bizarre ça. Oh, c'est les phares de la voiture. Merci, tu l'as trouvé, je lui ai donné la boîte. Dis bonjour à maman de ma part, s'il te plaît, sois patient avec elle. Elle en a plus bavé que chacun d'entre nous. Je te ferai bien un câlin, mais... je ne peux pas te laisser voir mon visage, ça ne serait pas... Quoi ? Ça serait dangereux ? C'est très badant, c'est très stylé ! On dirait que le machin mes couilles, tu ferais mieux de courir. Oui, d'accord. Jeudi soir, ça marche. Allez, salut mon pote. Bon, je vais au lit du coup. Allez, où ma chambre? D'accord, ça n'a aucun intérêt. D'accord. Ok. Donc ça c'est ma chambre. D'accord. Y a pas de la lumière dans ma chambre. J'ai peur, hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qui brûle dehors là? Je peux évidemment rien faire, ça c'est... C'est de la merde, pardon. Je suis fatigué, je monte dans mon lit. Oh la zic! Non mais ok, c'est terrible. Y'a rien qui va. Bon, il faut que je trouve maman. Maman ? Je n'ai pas le droit d'entrer dans cette pièce. Super. Maman. Le papier peint est littéralement dégueulasse. Ok, il y a maman qui est là. Elle est bizarre. Bonjour Liana, c'est moi. D'accord. Ta maman. Oh là là. Désolé encore de mon absence hier soir. J'avais besoin de prendre soin de quelque chose. Je sais de quoi tu penses. Et tu n'as rien à t'inquiéter. Tu es à la maison maintenant. C'est le plus important. Mais j'espère que tu as bien dormi. Je comprends que tu sois un petit peu confusé. Toutes mes confuses. Tu en as traversé beaucoup, oui. Oui, oui, ma chambre était la même. Nous ne voudrions pas... Ah oui, d'accord, parce que c'est... affronter ta colère. J'aurais aimé cette petite pancarte sur ta porte. C'est tellement toi. J'espère que être de retour dans ta chambre fait que tu vas mieux. Aujourd'hui, je pense que tu devrais juste y aller tranquille. Tranquille. Oh, ouais, rattraper le temps perdu avec maman. J'ai fait du petit-déj. C'est sur la table. C'est ton préféré. Ah bon? Maman, elle est bizarre. J'aime pas trop. Maman, elle est cursed. Nutriments. Tes préférés. Hein? Tu as ingéré tous les nutriments. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu vas voir que je suis un genre de robot.
Pour le moment, elle est dans le salon. Elle est badante. T'as tout mangé? C'est intéressant. Hein? Mais non, c'est pas... Putain, c'est chelou. Donc, je comprends que ta mémoire n'est peut-être pas aussi intacte après ton opération. D'accord. Et donc, je pensais... Ça pourrait être bien si je te montrais un peu la maison. Si je te donne un tour de la maison où t'as grandi, ça pourrait t'aider à aller mieux niveau mémoire. Ok, bon bah je file free to explore. Hein. Il y a un problème là. C'est-à-dire que maman elle est là. Et elle est là aussi. Mais elle a pas la même voix. La... Ok, j'aime pas du tout. La salle de bain, elle a été condamnée. Elle a été cassée, donc on a pensé que ce serait mieux de ne laisser personne à l'intérieur. Et je sais à quel point tu adorais aller dans des endroits où tu n'avais pas le droit d'aller. Ok, ok, corps de fer, pas de soucis. Tu prends ton temps, là, si. On joue à des jeux extrêmement badants, donc tranquille. Je ne dois pas essayer d'y pénétrer. Mais bon, c'est comme si, c'est pas comme si tu nous avais toujours écouté. T'as toujours été une rebelleuse. Mais c'est pour ton bien. Après tout, on ne veut pas inonder l'endroit. Ça serait un cauchemar. Mais non, mais en fait, elle parle, mais elle parle toutes. Ok, retrouve-moi là-haut et on verra ton frère. D'accord. Et l'autre maman, elle est plus là, elle a disparu, c'est génial. J'adore. Je suis très content. Je suis pas à l'aise. Oh putain. Miel. J'ai de grandes nouvelles. À la place des boop bip. Mais non, c'est des boop bip aussi, mais c'est pas les mêmes. Ta sœur est de retour. Pas de réponse. Voilà. Est devenu silencieux depuis que tu es tombé malade. Maintenant, il passe tout son temps sur son ordinateur à parler avec d'autres gens comme lui. Ces gens-là. On ne parle plus. Et quand on le fait, il parle une autre langue. C'est très bizarre. It's like he's in a... Il dirait qu'il est dans un monde totalement... Vraiment, il fait plus du tout la différence entre le monde réel et le monde virtuel. Mais notre garçon est très malin pour son âge, ça c'est sûr. Si t'as besoin de conseils, je suis sûr que ça le dérangera pas que tu toques à sa porte. Il ne t'autorisera jamais à l'intérieur. Ok. Ouais, ok, ouais. You knock on the door. Pas de réponse. Oui, bah il est pas très... Ah, ça, c'est la chambre de papa maman. Oui, d'accord. Bah, j'ai move on, là. Bon, ok, je vais parler à maman. D'accord, rien. Oui. Bon, c'est ce qu'il a déjà dit. Ok. Bah, je veux bien move on, mais bon. Bon. Y a pas d'objet dans ma chambre. Non, y avait juste une lampe. Bah à tous les coups faut que j'aille dehors. Faut que j'aille là où est maman. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça ne s'ouvre pas pour moi. D'accord. Ouais. Où qu'elle est maman? Attendez, je vais ouvrir le portail là. Pour bon d'accord. Ah mais je peux aller derrière en fait maintenant. D'accord. D'accord. Je suis pas très à l'aise.
On est sur un plaisir tout relatif, mais on est là. Est-ce que maman, elle est toujours là? D'accord, maman, elle a bugué, je crois. Au-dessus de ton truc s'appelle... Au-dessus de ton lit, il y a un tableau qui s'appelle Reflet. D'accord. C'est ton bureau. J'ai allumé la lampe. Il n'est pas l'heure de dormir, d'accord? Pardon. Ok, alors, pardon, il est peut-être un peu fort celui-là. Oh putain, maman est dans la salle de bain. Et elle est aussi dans le couloir, regardez. Coucou. C'est terrible. Alors, maman, c'est la salle de bain. Comme je l'ai dit. J'ai pas l'air d'aller dans la salle de bain d'en bas. J'ai couvert tous les miroirs. Pourquoi faire ? C'est pour ton bien. Alors, j'ai pas l'air de voir la tronche de mon père et moi j'ai pas l'air de voir ma tronche. Couvert avec, en plus du scotch quoi. D'accord. Bon bah écoutez, super. Ok, maman elle est plus là. Et maman elle est là, super. Et ça nous amène à cette porte. C'est ma chambre et la chambre de ton père. La robe elle est buggée. Tu ne dois pas entrer cette porte. On la garde fermée. Mais on est sûr que ça ne sert à rien. Nous avons confiance en cette famille. Pas moi. La zic de ces deux veaux morts là. Oui, super. Je suis pas rassuré. Mother was left. J'ai pas le droit de... Je suis forbidden d'entrer. Bon. Bon, je vais aller causer à mon frangin. Je knock là-dehors. Rien, pas de réponse. Bon, il faut que j'aille voir maman. Elle est où, maman? C'est con parce que je vais plus pouvoir appeler ma mère maman comme ça, parce que j'aime bien le faire. Maman. Maman, t'es où maman? Bon, j'ai pas le droit, d'accord. Ok. Le ciel est rouge. C'est très très bizarre. Ok. Il fait nuit. Ah, il y a maman. Maman est dehors, je vois maman. Liana, tu m'as fait peur. Tu ne devais pas être... te t'introduire de manière bizarre. C'est Marvelous. C'est très spécial. Tu adorais te faufiler et me faire peur. On dirait que tu reviens à ton ancien toi. Qui sait? Peut-être que faire un tour de la maison t'a aidé à retrouver tes mémoires. Ok, je vais te dire. Demain, on va faire un tour au dehors de la maison. Je suis certaine qu'une fois que tu auras vu où tu as grandi, tu vas revenir à toi-même. Il y a un truc très bizarre. À mon avis, soit je suis un robot, soit je suis un démon. Il y a un truc... Locadi Sunset, ben, j'aimerais bien. Ah bon, on le faisait avant? Super. Pour te dire la vérité, j'avais peur qu'on ne puisse jamais, plus jamais le faire. Peut-être que tous les sacrifices que nous avons faits valaient le coup. De quel sacrifice on parle? Celui-là a l'air très beau, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas voir parce que je t'ai tourné vers toi. Et la nuit, arrêtez! D'accord, je suis dehors, il fait nuit, j'ai peur.
que je suis dehors. Maman, j'ai peur. Non. D'accord, je peux pas aller voir la chambre de mon frère. D'accord. Il y a des bruits bizarres, j'aime pas trop. Ouais. Oh, comment j'ai eu tellement peur! Oh, ma vie, c'est de la merde! Oh, j'ai eu si peur, nom de Dieu! Oh, j'ai eu un frisson dans tout le corps, là! Oh, putain! Oh. Yana, mon ange. Une dernière chose. J'ai eu beaucoup de choses. Ah, j'ai eu si peur! J'ai fait beaucoup de choses que je regrette. Donc, s'il te plaît, plus jamais. Pour le bien de cette famille. Désolé de niquer l'ambiance. Avant le lit. C'est ok si tu me détestes. C'est normal pour les filles de ton âge. Ouais, ok. Je me chie dans le cul, là! J'espère que t'as apprécié ta première journée. Tu fais... Mais quelle horreur! Putain, oui, bah j'y vais, oui. Non, me borde pas, meuf. Comme avant, oui, si tu veux. Oh, l'ombre, c'est horrible. Oh, les cauchemars, vas-y, nique. Allez. Vous avez vu ou pas? Non, vous avez vu ou pas? Je suis un robot. Est-ce que vous avez vu ou pas ce qu'il y avait marqué? Vous avez peut-être pas vu. En gros, juste avant que je m'endorme, il y a eu un truc, tu sais, deux crochets comme ça. Et il y avait marqué Disengaging Communication. En mode déconnexion. Je suis un robot. J'ai eu peur. Non, c'est ok, c'était juste l'ombre. Allez, merci à tous. Non. Ah, quelle horreur! Maman? Oh, bonjour! J'espère que tu t'es bien reposé. Je vais te demander de... Hein? D'exercice? Exerte? Hier soir... Non, t'expliquais peut-être. Je t'ai dit que je te montrerais autour de la maison. Ouais, j'y ai pensé une deuxième fois, et je pense qu'on va simplement le faire. S'il n'y a pas de chance de te ramener tes mémoires... Ah, s'il y a une chance, la moindre chance, il faut qu'on la prenne. Je pense que c'est important pour toi de savoir ce qui se passe ici. Bah oui, j'aimerais bien, oui. Ok, j'aimerais que tu me retrouves là où on a regardé le coucher de soleil hier soir. L'ambiance fait très... l'intérieur, comme ça fait très années 90, mais ça fait très... Vous vous rappelez de l'intérieur de la maison dans Phantasmagoria? T'as à l'époque, hein, mais quand on avait fait Phantasmagoria, le point and click gore, là. Et ben en fait, je trouve que c'est le même type de 3D, c'est à peu près le même type d'ambiance. En moins nanar, quoi. J'ai pas trop aimé la maman. Ah, t'as réussi. C'est notre... Ah merde, Orcard, c'est l'orchidée. Ça fait boum quand je tape sur le bureau. Ça représente beaucoup pour moi. Ok, pendant que tu étais à l'hôpital, j'étais devenu très... Ça fait un peu courage le chien froussard aussi, ouais, de ouf. Quand tu étais à l'hôpital, j'étais vraiment, vraiment sale, hostie. Je ne voyais jamais ton père et ton frère, il s'est enfermé. Te voir dans ce lit d'hôpital m'a fait me sentir vraiment... J'avais plus de pouvoir, là. Cette orchidée est... Non, Orcard, c'est pas orchidée. Bref. Voilà, la responsabilité sur la création de la vie.
C'est un don divin. C'est verger, merci. J'aurais pu. Un cadeau qui est intrinsèquement infusé par le chagrin et l'échec. Alors qu'il est, ça marche. Hein. Pour regarder cet or guidé, n'est-ce pas, ce verger, tu ne vois pas tout le brisage de cœur que ça inclut. Oh putain. Where they can thrive. D'accord. Où ils peuvent s'épanouir. Et devenir eux-mêmes. Ça prend du temps. Mais une fois que tu l'as fait bien, tu vas oublier toute la dureté qui t'a amené ici. Dépenser ton énergie en aidant à grandir pour disposer de l'échec. C'est là que notre espoir entre en jeu. Et j'ai de l'espoir. D'accord, maman. Viens, on continue. Retrouve-moi. Arrêtez! Là, j'ai un peu les boulins. Je pense que demain, j'aurai encore plus les boulins. Alors, maman m'attend près du cimetière. C'est super. Alors, le cimetière, c'est... Ok, le chemin derrière moi va t'amener au cimetière. C'est fermé. Je veux que tu y ailles tous les vendredis après-midi. Même si j'aime de moins en moins y aller. Avec un futur aussi rempli d'espoir que le nôtre, je ne vois pas l'intérêt de s'attacher au passé plus maintenant. À tous les coups, en fait, genre, leur fille, elle est morte. Et en fait, ils en ont fait un robot. Et voilà. Ou alors, ils ont pris l'âme de leur fille et l'ont foutu dans le corps de quelqu'un d'autre, je sais pas. Ou alors, ils l'ont ramené à la vie, j'en sais rien. C'est maman de bouger, il se dit, pour tout le monde, derrière la maison. D'accord, mais j'ai pas envie d'aller voir ma maman derrière la maison. Ouais, là-bas, ok. Maman. Oui, je vois le... Oui, j'ai vu la grange, oui. J'espère sincèrement que tu ne verras jamais ce qu'il y a dedans. Oh là, oh là, oh là! Survival notice, do not enter the barn. Qu'est-ce que c'est que ça? Viens, on rentre, il se fait tard. J'ai peur. Il faut enter the barn. Oui, d'accord. Maman est partie. Et ouais, moi, je suis resté là comme un con. J'aime pas trop l'arrière de la maison. Je sens que c'est un peu shady. Rendre le portail. Render the portal? Là où t'as spawn? Non, non, non. Prendre, non, non. Enfin, je peux essayer hein, en soi, mais... Enfin, je pouvais pas tout à l'heure, donc je pense pas. Par là même, je voulais te demander... Comment va ton père? Comment allait ton père? Tu lui as parlé quand il t'a ramené dimanche soir, n'est-ce pas? Depuis que tu es tombé malade, il s'est enterré dans son travail. C'est pour ça que je le vois plus. Il fait une petite visite tous les vendredis soirs, juste pour voir comment ça va. Il est assez déterminé à faire les choses, à rendre les choses bien. Allez au poli, il fait tard. Arrêtez avec cette zig de merde. Maman est partie. Jamais de la vie, je vais dehors la nuit. Hein. Je n'ai pas besoin de regarder la TV.
Je vais aller voir s'il y a mon frère, mais j'ai peur un peu. Elle te donne de la terre pour le petit-déj, d'ailleurs. Je sais pas ce qu'il y a de pire, le fait qu'elle te dise que c'est ton préféré ou le fait que tu la crois. D'accord, c'est très badant, puisqu'en fait, maman, elle est au bout du couloir. Bonjour, maman. J'ai arrêté ça, s'il vous plaît. J'ai pensé à une idée superbe. Viens, on passe une journée dans le verger demain. Arrêtez avec la musique, s'il vous plaît. On va se réveiller, Rise and Shine, Mr. Freeman, et on va passer la... On va ramasser des pommes. Comme d'hab, qu'est-ce que t'en penses? Il est marqué Angel come home. Quelle horreur. Oh, tu as toujours sauté sur le Locars. C'est horrible. Toi et ton frère, vous adoriez faire la compète pour voir qui chopperait les meilleurs. Je vais aller allumer dans mon couloir après. Ne me dis pas que j'ai dit ça, mais j'ai toujours dit que les tiennes étaient les meilleures. En parlant de ton frère, est-ce que tu lui as parlé? Oui. Je suis certaine qu'il est aussi ravi de t'avoir à la maison que moi. Il suffit qu'il le montre. Ah. Ah non, c'est bon, je le fais. Arrête, oui, non, ok, c'est bon, je le fais plus, c'est bon. Oui, je lui ai parlé. Oui, merci. Oh, oula, il y a du datamoche. Il y a du datamoshing. Je suis un robot, je vous le dis. Oh, alors, c'est très stylé, mais c'est l'horreur. Ok, on va aller dormir, hein. C'est horrible. Mais il y a un truc là-bas, vraiment, bon, allez. Tu ne peux pas dormir quand quelqu'un est dans ta pièce? Quoi? 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 Qu'est-ce qui est dans ma pièce? Non mais arrêtez. Mais c'est... non, arrêtez s'il vous plaît. Tu décroches le téléphone. Ne le fais pas. Non, on n'est pas jeudi. Attention, don't. You pay no heed. No heed, ça veut dire quoi ça? No heed. C'est quoi no heed? Alors, heed, traduction. Conscient. Tu n'y fais pas attention. Toi, you, il y a marqué you. C'est horrible. Pick up the receiver. Non. Oui. Il y a un truc qui bouge là. Je peux rien faire. Ah si, c'est bon. Ok, donc l'idée du data moche, c'est super bien. Par contre, c'est ultra badant. Tu décroches le téléphone. Il y a plus dans cette réalité, c'est horrible, que cette machine, ta machine does not have the resolve to see it yet, n'a pas encore la ressource pour le voir. Reviens à ce programme une fois que ta machine aura été témoin de l'expérience totale. Allô? D'accord, ignore les, il y a marqué en dessous, oui c'est horrible. Unable to display message. Superbe. Le retour dans 3. 2. 1.
putain, c'était la démo. Oh. Wow. La turbo dingues. Alors du coup on peut voir presse P, presse T, ah c'est stylé, sur chaque truc, ça va t'envoyer sur un truc, SI, la Steam page, je vais aller voir la Steam page moi-même. Press Enter key, return to menu. James Gavin, encore un mec, tout seul quoi. C'est une dinguerie. Il y a des chiffres, j'aime pas trop. D'accord, j'aimerais quitter par contre. D'accord, c'était la démo quoi. Wow. Le truc de ouf. Je pense que le jeu gratuit, on se le fera. Hein. Enfin, le jeu gratuit, le jeu entier, pardon. Le jeu gratuit, non, évidemment, il est pas gratuit. Oh, ça m'a un peu... m'a un peu secoué. Attendez, j'arrive. Comment ça? J'ai fait quoi? J'ai allumé dans ton appart? Non. Pas pourquoi je ferais ça. Hein. La dingue. C'est vrai que la grosse esthétique... un peu vaporwave chelou... Ça a très bien marché pour moi. Pourquoi je fais ça, moi? Ouais, mais j'avais été ici, effectivement. Ah, je crois que du coup, c'est bon, je peux aller à la salle d'arcade. Ah ouais. Bah, c'était chelou, quoi. C'est beaucoup de trucs chelous. Alors, la salle d'arcade, elle était où? Elle était là-haut, je crois. Bingo. C'est quoi le jeu? Arcade War. Free play. Is forever, it only costs your soul. Ok. C'est effectivement. Oula! Au secours! What the fuck? Bitet. Oh salut. C'est cool de te voir ici. Tu t'as l'air un peu vide. Un peu creux, pardon. Un plaisir que te voir. Je suis Sonia. Tu es une nouvelle victime de l'arcade. Ta chair n'a pas été altérée par les énergies bizarres ici. D'accord. D'accord, les bruits, ok, let's go. I think it's for you. D'accord, super.
Ne me parle pas, je suis en colère. Je vais te manger, mon gars. D'accord. Bah, j'ai rien fait, en fait, donc... Y a pas de boules. Où sont allées les boules? T'as perdu ton âme? Rejoins le club, ma gueule. D'accord. Ah, ok. Je devrais rester à l'intérieur. D'accord. Il y a pire que d'être un squelette. Mais je serais enrôlé dans la garde des squelettes si j'étais un squelette. Pas sûr de comprendre la vanne. Hein. Le mole soft, on est là. T'as besoin de quelque chose? Bah non. J'ai ramassé presque tous les tickets. Tickets là. Ah, il y a Super Astéroïde et il y a Dog Gobbler. Toujours du truc, ok. Bon, on va jouer à Super Astéroïde. Hein. C'est Galaga, non? Non, c'est. Ah, mais c'est parce qu'en fait je me shielde pas. Oh, ta grande race. Mais vas-y. Cassé à cause qu'il y a du soda dessus. Shop. D'accord. On va trop. C'est un petit niveau bonus, j'ai l'impression. I should get my soul first. D'accord, mais comment je fais pour avoir mon âme en fait? Ah ok. C'est 500 000. Donc, il faut que je gagne le jeu quoi. Mais ça va être long. En plus, il joue comme une bite. Oh, ta race. Ça va être trop long. T'es de flemme. Bon, j'ai Liv. Directed by. Ok. Ok.
Directed by Vladimir Lor, ok. Bah ok. Ouais, bon, ok. Bon, je comprends le délire, hein, mais... Ok, ouais. Salut. Bon, j'ai joué au jeu, c'était sympa. Merci à tous. Y a des jeux que j'ai pas fait, là. Mais il manque la clé. En fait, j'ai pas la clé. Ouais. Après, si tu pouvais arrêter de courir dans l'appart, parce que ça me fait peur, en fait. C'est très gentil. Gob, c'est bon. Mothered, sans façon, merci. Oui. Alors, Ten Dead Doves, il faut que je le fasse, mais j'ai pas la clé. D'accord. Pour trouver la clé. Fear the Spotlight, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait aussi. Unchained, c'était cool. Unchained, c'était très cool. Mortal Mill. Je l'ai fait, ça? Non, mais en même temps, j'ai pas la clé. Benighted non plus, je l'ai pas fait, j'ai pas la clé. North Star Courrier, évidemment, je l'ai fait. Perlin Festival. Perlin Festival, je l'ai fait, ça? Non. Ça me dit rien. Une aventure brumeuse inspirée par des classiques surréels avec une emphase sur des événements bizarres. Apparemment, il y a des loud sounds et des clowns. On est ravis. Premier screamer, je me coupe une couille. Hein. Donc, option. PSX distorsion, oui. Caméra smoothing, oui. Volume. Autorun Enabled. Bon, ouais, t'as donc faim. Return. Oh là, oh là, oh là. What the fuck? Oh là, oh là, oh là, j'aime pas l'ambiance. D'autres dénisances are complètement unavoidable in the noise. Sont suffisamment sympas, ils me parleront. Quelquefois, je vais peut-être même pouvoir leur parler. Wow! Tu savais ça? Ouais, smiley. Puis on te dit... Ouais, ok. C'est juste un panneau. Ok, la mouse sensitivity, elle va se calmer direct. Et on va baisser un peu le niveau du jeu, parce que je sens que je vais me faire péter les oreilles. Beaucoup de choses dans le bruit peuvent être interagissables. Tu interagis avec ce... Ok, waouh. Il n'y a pas d'indication visuelle comme quoi je peux interagir avec. Bah si, il y a marqué E dessus. Tap to enter first person. D'accord. Bah non. Allez, salut. C'est très backroom, hein, c'est ça. Dû à la nature du bruit, rien n'est vraiment permanent. Ouais, ok. Les choses ne seront pas les mêmes si j'y retourne. Ça peut être quelque chose de petit, comme un rocher. Quoi ? Ça peut être plus grand comme une forêt. Les choses peuvent changer pendant que j'y suis. Donc fais toujours attention, d'accord ? Avant de lire ce signe. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Tu es à peine dans ces eaux maintenant. Maintenant, bientôt, tu n'auras rien pour te guider. Ton nom est Pluton, et le bruit ne te demande rien. Le bruit n'a pas de but précis. Il n'aura jamais... Tes propres buts ne te concernent pas, le bruit. Donc fais
que le chaos vaille le coup. C'est tout. J'espère que cette invitation était bien. C'est un endroit charmant. Il n'y a pas grand chose comme... C'est terrible, hein. D'accord. Salut. Oh là là. Oh là là, non, 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 non. Pourquoi je joue à des jeux comme ça? On peut me le rappeler, s'il vous plaît. D'accord, on peut sauvegarder. Bon, je vais aller à cette porte-là. Désolé, Pluton. Le bruit est... en ce moment en train de... Il est sous maintenance. Il est en maintenance. Bien sûr. Je peux pas te laisser plus loin. D'accord, c'est parce que tous les coups le... Ok, bon bah je vais aller là, hein, parce que c'est la démo. And elle, la main de l'enfoiré. L'ambiance est vraiment bizarre, je suis pas très fan. Peneton. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de mort là? Peneton. D'accord. C'est de la glace rouge. Y'a rien qui va. J'ai envie de crever. Tuez-moi s'il vous plaît. D'accord, il n'y a aucun intérêt à aller là. D'accord. Ah, il y a une porte ici. Silt City. C'est à quoi Silt? C'est les backrooms puissance 12 là. Ce mur est très douloureux. Quand est-ce que tu en as grandi? Quand est-ce que tu en es sorti? Ok. Je sais pas, très très à l'aise. Ayonk, bien sûr. Salut bébé, ce liquide était plutôt bizarre. Ouais. D'accord, je peux pas... Oh, la gueule horrible. Hey, t'es dans mon chemin, connard. À la porte. Weragaro. Salut Max. C'est très bizarre, ça n'a aucun sens. Je comprends pas le jeu auquel on joue. J'ai une lampe sur la tête. D'accord. C'est un concept le jeu là. C'est une ambiance un peu... C'est un cauchemar le machin. D'accord. Oh non 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 non. D'accord.
Ok. Je trouve une porte, du coup. C'est une compilation de... C'est un truc qui s'appelle Haunted PS1 Demo Disc, qui en gros, c'est une compilation de démos de jeux indé d'horreur. D'accord, donc là, j'ai fait le tour. Donc là, le jeu en question s'appelle Peneton, je sais pas quoi... Mais je ne comprends pas beaucoup le jeu. Le jeu est bizarre. C'est pas tellement un jeu, c'est plus une sorte de pour l'instant, en tout cas, c'est une sorte de... d'expérience bizarre. On croirait de la peinture, oui. Il y a un aspect un peu surréaliste, effectivement. Bon, bah c'est super. C'est nique sa mère. Ah non non, les bruits là, non. Là j'ai un peu les boules. Ils se sont retrouvés, ils sont malins hein. Oui d'accord, oui. Je connais tout leur tour. D'accord, je vais lui reparler. Attends. Je vais retourner voir là. C'est très bobo les yeux. Ah oui, c'est bobo les yeux là. Ah, j'avais pas été voir là-haut. Oui, bonjour monsieur, oui. Normalement on s'est déjà vu. Ça fait mal aux yeux, si vous avez la gerbe, tout va bien, c'est normal. Pastelfield. Stonky. D'accord. Fears, d'accord. Oh là! C'est pas génial ici? Non. Ouais, d'accord. J'aime pas trop l'ambiance, c'est très bizarre. Ok, super. Il y a une porte ici. En fait, j'ai l'impression que je fais que passer des portes. Oh là là. C'est cursed, hein. Putain de merde. Je n'ai pas bougé depuis un long moment. Je vois des quelqu'un qui plante des signes. D'accord. Simon l'escargot. Butterguts. D'accord, je peux pas aller là-haut. Bon, ok. Bon, une porte ici. Alors, promis, il va se passer un truc, hein, et puis si c'est chiant, on fait autre chose, mais globalement, voilà. Hein. EWEM. C'est concept, hein. Ouh là là. Oh là là. D'accord. Vous avez peur des clowns? Let's go. Oh putain, c'est Animal Crossing. Honk honk. Salut, buddy. On dirait bien que t'es le genre de loser qui a besoin d'un clown time. Putain, c'est Tom Nook, mais Tom Nook, il a changé, là. Ouais. Je ne suis pas le clown qui fait des punchlines. Oui, d'accord. C'est un type de clown qui fait punchline, on connaît pas. Hein. Je pense que tu parles d'un rappeur, MDR. J'adore rire. D'accord. I know someone with Suzo. Ouais, d'accord. Tu sais ce qui serait vraiment drôle? Va les trouver. J'aurai des vannes. Et les petites pommes de pain là, qui se. Petites pommes de pain dans le cul, évidemment. Remember.
cauchemar sur 20, hein, clairement. C'est Animal Cursing, bravo. Pas moi, non. Je suis pas très très à l'aise. Je vais pas vous mentir. Where Agaru? Mais j'ai déjà été ici. Parce que je viens de là et que je viens de cette porte-là. Ah, je peux sauvegarder? Oui, bah oui, je suppose, oui. Je sais pas trop ce qu'on... pourquoi il faut sauvegarder. Ouais, je me casse, hein, regarde. Pas très rigolo, ça, cette histoire-là. D'accord, la porte était cachée ici. Elle est là, ok. J'ai l'impression que le... Pour l'instant, il n'y a pas trop de but, hein. On est quand même sur un jeu curieux. Ah ouais, putain, ils ont pris de la drogue, les développeurs, hein. Alors, ouais. Allez. C'était full cursed. Il me faut une putain de clé, en fait. Sinon, je vais genre jamais pouvoir... Il y a des jeux auxquels je vais jamais pouvoir jouer. Sauf si, évidemment, je décide de... De ne pas passer par cet endroit, mais de passer par... House of Necrosis, c'était pas terrible, ça. Je vais retourner à l'extérieur, je crois qu'il y avait un truc. Mais... On parle le démon de ses morts qui me regarde là. Rien. Parce qu'en fait là il me manque 10 dead doves et c'est tout. Et non, et Benighted, Ten Dead Doves, Benighted et Mortal Mill. Donc c'est les trois que j'ai pas fait. Au pire, je vais faire démo par démo en fait. On va faire bronze hein, parce que ça va être chiant. Donc Mortal Mill, Benighted, Babo Sangjar, d'accord. Future Reality Racing League. Ça, tout ça j'ai fait. Pour ça, Necrosis, je l'ai fait. Arcade Voix. Dead Letter Department, c'était incroyable, c'était peut-être le meilleur. Ten Dead Doves. Nowhere Me. En fait, il y en a, je vois même pas où ils sont. Vas-y, je vais tester Racing Truc, ça va nous faire une pause. Shells through the Dark Future Rule by Omnicore and Overrun with Fleshy Abominations. Body Horror, Blood Gore. Allez, let's go. On va faire comme ça, ce sera plus simple. J'aime bien le délire de chercher les machins, mais c'est vrai que là, je suis un peu paumé. Alors, c'est une petite PS1 Demo Disc, ouais. Si j'ai ma manette, c'est ok. Eh oui. Allez, play démo. Avec la petite zik. D'accord, il y en a qu'un. Allez, vous êtes prêts pour les années 90? Donc apparemment, c'est un peu l'horreur. Hein. Ok, oui. Press to cycle through cameras. Yeah.
Là, c'est un jeu de course. Ok, vu. Ouf! D'accord, ok, ouais. Mais c'est pire en fait quand je fais ça. On va se dire qu'il est pas folle hein, pour l'instant. Hein. Let's go. Putain mais... Mais nom de Dieu ! Ok. Ok. Ouais, ok. Bon, c'est un jeu de bagnole hein, pour l'instant, mais... C'est un jeu de course, quoi. Allez, ok, alors. 1, 2, 1, pardon. 2. Non. Mais putain, va dedans, espèce de con. C'est quoi cette hitbox là? 3. 4. Searching for us, searching potential us, find isolating questions, just to turn fire control. D'accord. Les démos, j'ai déjà fait. Track unlocked, ok. Ok, confirme. Shell unlocked, super. Ça, je l'aime bien. Bon, je fais une course et puis après, je change de jeu parce que c'est pas trop de l'horreur. Ah oui, d'accord, on est dans le beat de quelqu'un là. C'est l'horreur. Allez, c'est bon, c'est ta cam, le jeu. Oh, combien tième? Wow!
c'est Gerbotron. C'est Gerbotron 2000. Casse-toi, toi. C'est très substance illicite aussi. Hein. Ouais, c'est juste que l'univers est un petit peu gore et tout, donc... C'est quoi le bip bip là? Je comprends rien là, arrêtez de faire des bip bip. Waouh! Oui, d'accord, c'est chaud. Ah, en fait, quand tu ramasses de l'énergie comme ça, enfin des trucs un peu dégueux, tu peux t'en servir pour soit les brûler et faire du boost, soit tu les brûles pour te réparer quoi. Sauf si en fait tu sais pas jouer comme moi. Et... C'est pas agréable, hein, je vous le dis. Ça vibre beaucoup dans ma main. Donc soit tu te répares, soit tu boostes. Pas mal. L'idée est bonne. Allez, il y a 3 tours, je termine, c'est mon dernier tour. Là, t'as bien la musique, Joe, c'est bon, t'es content? C'est très Wipeout, hein. Il est content. La gerbe de ouf, mec. Et encore, t'as pas la manette en main qui vibre. Parce qu'elle vibre de plus en plus fort. Vous doublez pas ! C'est vachement... L'horreur, mec. Il y a les jeux de vaisseau en VR... un concept. Et bah, je suis 12e. Hein, ouais. Et bah, c'est rigolo. C'est rigolo tout plein. C'est rigolo. Alors, maintenant, ça, je vois pas ce que c'est. Babo Sanjar. On va faire Bobo Sanjar. Toi, un vrai homme, tu es rentré dans la mauvaise maison le soir de la... Nanana. Ça a l'air bizarre. Il y a un délire... Ça a l'air bizarre. This entertaining album may include the following: flashing light, loud burst of noises, disturbing content and body horror, potentially sensitive subject matter, mention the smoking flesh. Il est marqué. Mon fils, ça fait des années. Et pourtant, on dirait que c'était hier que tu t'es barré. J'espère que ça va. Noël, c'est juste bientôt, et tu sais ce que ça veut dire, on a un dîner avec tout le monde, dîner de famille simulator. Viens nous voir et ne sois pas trop en retard, comme avant, amour maman. Non, arrêtez ça s'il vous plaît, merci. Alors, After All Those Walking... Ils sont partis en mode full, full Animal Crossing, Vaporwave, chelou. Hein. Wow, l'esthétique est trop bien. Ouzé. Zoom, interact, reintroduce yourself. Hello. Hello.
What the fuck? Ok, c'est très bizarre. Merde, la porte est verrouillée. Ouah, wow, c'est trop zarbe. C'est trop bizarre. C'était quoi le mot de passe? 1-2-3-4-0-0. Maybe. 1-3-4, non. Je peux zoomer? D'accord. Non. Je peux pas m'en rappeler, ok. Non, c'est vrai. C'est quoi cette note sur ce tri placé de manière totalement... D'accord, ouais. Bien vu. Oh là! C'est un arbre qui a l'air tout à fait normal. Il y a une note, regarde, il y a une note qui a été violemment écrite, violemment transpercée sur une de ses branches. Bob Dingus. Dabidus. Ouais, c'est Bob. C'est une YouTube poop en fait le jeu, c'est génial. Non mais what the fuck, c'est une YouTube poop. J'aime trop. D'accord, oui. L'esthétique est ouf. C'est une dinguerie. Désolé, ta famille est dans une autre maison. Qu'est-ce que c'est que cette merde? T'as posté quelques photos sur le Discord? Ah bon? Je ne violente aucune loi. Ok. Attendez, il faut que j'aille voir un truc. Pas de panique. Oh. Ah, elles sont bien. Ouais, elles sont très bien. J'aime bien. Attendez, hop, je fais des bêtises. Je vais faire des bêtises. Pas de panique. Et bah, du coup, l'écran est tout noir. Bah oui, évidemment. Pourquoi c'est tout noir d'ailleurs? C'est très bizarre. Hop là. Mais enfin! Ouais. Oh! Dis donc! En fait, j'aimerais bien que la souris se barre du coup, mais elle veut plus se barrer. Bon. Et en plus, je peux plus tourner avec. Bon. Mouse look disable, press tab to toggle. Merci à toi. Oh, trop bien. Alors, merci à toi, je parle au jeu, c'est génial. Donc, il faut que je trouve des indices pour savoir où est ma famille. Attends, ça en dirait un truc que je connais. Et les cassettes aussi. Ah merde, la note. Je suis entré dans la mauvaise maison, mais c'est pas une totale perte. C'est la maison de mon enfance. C'est trop bizarre. Qu'est-ce que je fais? Ça n'a aucune utilité. Ouais, jeter un œil. Ah, il lui reste 2765 heures et 4 secondes avant le dîner. Ah bon? Donc je vais regarder des vidéos pour trouver des indices pour savoir où est ma famille.
Hein? C'est tout? Non. Non. Oh, c'est bizarre ça. Hello. Ça n'a aucun putain de sens. Salut, oui. Ouais, je regarde encore les trucs, oui. Ah, tu fais comme l'année dernière. Pas toi, mon fils. Je sais même pas comment traduire, c'est l'horreur. Nine Tender Amiga 128. Là, j'ai l'impression de devenir fou en fait. On dirait que maman, c'est forcément maman, c'est une vieille vidéo. Of your room back in the golden days. Est-ce que je peux jouer au jeu, s'il vous plaît? Ok, il y a une boîte. D'accord. Hello. Wow. Je comprends rien. Spontaneous human combustion and forget everything about it if you want to. D'accord. Maybe. 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 Ok. Non, non, je touche pas. Ah, ma sauvegarde m'a proposé d'enlever ma sauvegarde, ça n'a aucun sens. Hello. C'est le pinacle de l'électronique! Avec un trou rectangulaire! The pinnacle of esports. D'accord, oui, oui, mais je sais, oui. Procrastination Deluxe ou enjoy your video privilege? Enjoy your video privilege. Je sais pas si on va continuer à jouer à ce jeu, j'arrive pas à suivre. Oh là, oh là, oh là, oh là, en plus, oh là, ouais, non, attendez. Je comprends, R. Ok, je suis dans un mall, c'est trop bizarre. L'esthétique est ouf. Ok, allez, ouais, bon, je crois que oui. J'arrive pas à suivre, c'est... y a trop d'infos. D'accord, je peux, est-ce que je peux, s'il vous plaît, est-ce que je... Il y a des explosions maintenant, je comprends plus rien. D'accord, est-ce que je peux quitter le jeu? Oh putain. Merci. Ok, alors on se fait Benighted, après on se fait Mortal 1000, et après peut-être qu'on fera d'autres trucs. Ok, oui, là. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Oui, non, c'est bon. La zik est ouf. New Gamma. Ah bah, elle a depuis longtemps pour ton petit bébé. Alors, au-delà des murs gardés de... D'accord. Elderwood waxes upon an earthen throne. Musique cidre dragon de ouf. Oursant à une... portant une croix épineuse. D'accord. C'est un âge de... D'accord. Oui, c'est l'âge des insectes. Voilà. Grosse zik, hein. Énorme banger. Oui, 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 oui. Ok, c'est cursed. Il y a Gérard Depardieu à gauche.
C'était mieux avant les jeux, hein. La preuve. Ouais. Quand même. Moi j'attends le remake PS5, hein. À quoi je suis en train de jouer, quoi? Cours, Gérard Depardieu. Mmh. Vous êtes toujours sur un stream de jeux d'horreur, je tiens à vous prévenir. D'accord. Eh ben j'ai voulu sauter. Il a pas voulu. Mais putain! Oh. Les bruitages sont incroyables, hein. Démo de Benighted, vous pouvez faire plusieurs choses. D'accord, oui, je peux. Ça, je l'ai trouvé. Ok, ça, j'avais vu. Ok. Meilleur jeu, en fait, peut-être pas. D'accord. Je peux pas me battre. Non. Toujours sur un stream de jeux d'horreur. Hein. Non mais les bruitages, c'est un bruit, c'est les bruitages d'enfant là. Oui. Quand vous voulez, je fais les bruitages de jeu, moi. Oui. Faut que j'aille voir Zelda. Oui, c'est ça, oui. La chambre de la conquête. Oui, d'accord, oui. Les bugbears hantent monarque. Holding shift, ah bon? Connard. D'accord, mais... Un gasson. Où sont-ce ? C'est un jeu passionnant. C'est un concept, hein.
Non, c'est passionnant. Hein. Vous pouvez voter pour que je joue un autre jeu. Voilà, vous avez juste à écrire un mot dans le chat. N'importe lequel. Tu valides le jeu ou tu valides le fait? Bah, t'as écrit dans le chat, hein. Donc bah du coup je dois arrêter. Désolé. Alors, Mortal Mill, ça a l'air bien Mortal Mill. Tu es mort, mais ton âme reste dans les Nightmarish World. Qui était dessus? Bah, pardon. J'ai un peu roté. Oh, la petite main! Le conseil des gobelins. New Game U. Les repas mortels. Mon dieu, je me suis fait buter. Un chien. Le Sinistros. D'accord. Ah, c'est le mec. Et il va hic. Les repas mortels. Qui est moche ce chien, c'est terrible. Bah, old dogs are beautiful, hein, adab, mais D'accord. On peut pète le dog. Wants to be a good boy. Ça marche pas. Ok, il faut que je le distracte. Ok. On va le distracter avec de la viande. J'ai grab. C'est chaud et slobbery. Ouais. Hello, can you help me? Answer, hello. Ah oui, il m'entend pas en fait. Soit ça, soit c'est un trou de cul. D'accord. Bon, c'est pas passionnant, hein, cette histoire. Employez-moi. C'est toujours le même mec. Employez-moi qui jongle avec des couteaux. Des barres. Le freezer, la combinaison, c'est 1077. D'accord. Oui, donc. Je vais mettre ça dans la room. Ok, bah 1077, on va aller ouvrir. Hein. La freezer. Ah, 0,77. Ok, je suis entré dedans.
Il y a de la bidoche. J'ai grabé la clé. La clé. List improved. Ça n'a aucun sens. Putain, il y a un mec dans une... Pourquoi c'est devenu bizarre d'un coup là? Pourquoi l'horloge fait ça? D'accord. Ah mais non. Non non mais au revoir. Vraiment, je suis sans façon monsieur. Mais en fait, oui, c'est parce que c'est le Reaper, il veut manger ma... Aidez-moi, oh Dieu! T'as la gueule des gens, quoi. Ah, le hit and run, quoi. Ah, du coup, il y a son âme qui est là aussi. Ah, merde, du coup, il va se faire manger. Ah, quelle horreur! Ah, il a la tronche de la dernière personne qu'il a... C'est insane, jeu, là. Je peux jouer au jeu, merci. Qu'est-ce que c'était que ça? Bah c'était la mare. That was creep me out, give off such a sinister vibe, ok. Alors c'est que c'est ouvert parce que la dame elle est sortie. C'est très bizarre. Comment je vais jouer au jeu vidéo maintenant? Bah il était un peu mort. Ça rigole. Two floppy drives. Qu'est-ce qui peut être mieux que ça? Plein de trucs. Non mais vraiment les gars. Ouais, computer brand in the store has the most RAM. Je sais pas, HP. D'accord, ok. Je sais pas. 69. D'accord, attendez. Je vais aller Brand new clip art image, ok. Ok. C'est quoi ça, d'accord. Ok. You'll never need to upgrade, ok. Faut que je trouve la marque. Killer speed with churd. Donc c'est churd, ok. Ce qui veut certainement dire un truc. Alors, 8 mégas de RAM. Là, il y a 16. Et, ok, donc ça va être shard, je pense. Tu me dois 5$ pour remplacer les clés. Funny, the number maybe, stop typing it too much. Ouais, d'accord. Putain, ça vole haut. Hein. Alors, c'est churd. C-H-U-R-D. Ouais. Bah, je sais pas, moi. Attendez, on va chercher ça. C'est quoi ma destination de vacances favorite? Ça, Albanie, je pense. Ouais, ça va être Albanie. Promis, il se passe un truc après. A, L, B, A, N, Y. C'est ça. 69. Ça a ouvert la porte, super. Le principe du jeu est cool. Ça me fait penser à un jeu qui était
Non, sans l'ambiance, j'aime pas trop les yeux comme ça. Je fais penser à un jeu qui s'appelait Soul quelque chose, où en fait c'est pareil, tu te faisais buter, t'étais un fantôme et... Ok, c'est parti en couille. C'est là de mon cœur, ouais, d'accord. J'avais plus de sang que je le pensais, oui. On a 7 litres de sang à peu près dans le corps. 7 litres, c'est peut-être beaucoup. On dirait que le sol s'ouvre, oui. On va le dire de la caméra vue comme ça, un peu bizarre, mais pourquoi pas, il y a des choses bizarres. C'est devenu glauque. C'est très cool, hein, ceci étant dit, mais... Alors, c'est bizarre. Oula, pas trop ça. Oui, salut. C'est un labyrinthe. Ok. Oh. Ça va sauvegarder. Non. M'intéresse pas. D'accord, donc je suis en train de wandering in the enfer. Je suis dans les enfers, je cherche mon... D'accord, il y a moyen de récupérer de la vie ou pas? Bizarre. Oula. Ah, ma vie remonte en fait. C'est ok. Mm-hmm. Ok, le petit diablotin. Oula. Ça m'a fait peur le petit sagouin là. Oh mais oh. Ok, ouais, les diablotins, ouais. 12 000 et demi au mètre carré, là. C'est pas clair, hein, cette histoire. Salut, mon pote. Hop. Pas convaincu du bail, là. Ah, mon corps, enfin, super. Cinématique. Je me suis apparemment éclaté ma grande race. Oh non, je suis pas content, je suis quand même vraiment très sastille. Ouais. That's me, Will, sans mon cœur. Maybe I can peace. Ah, il y a un délire point and click maintenant. Ça, c'est ma femme. Ok, t'étais avec quelqu'un, ouais, ok. Ouais, pas aussi beau qu'avant. C'est bon, ça on a vu ça. L'ambiance est bizarre. On est passé sur un truc. C'était un peu rigolo et là on est sur un truc un peu émo nul. Ah oh mon dieu, je suis mort. On est en amour de ma vie. Elle a disparu. D'accord. Il y a la mort.
qui vient de tuer un vieux d'ailleurs, qui est mis de explosion du fond. Bah écoute, apparemment c'est le mec qui a fait ce jeu. Il a aussi fait des blagues à base de prout et de 69, mais il y a des vers dans le ciel, il y a un vieux monsieur, des vieux monsieur. Et bah c'était super. Alors du coup, ah t'as loupé Mother de mon petit Punkos, c'était un truc de ouf. Creepy as fuck. Alors après, il reste ça et normalement c'est tout, je crois. Et 10 Dead Doves. Ok, ça marche. Ok, je vais faire le flying, après je vais faire 10 Dead Doves et après on sera bon. Nowhere Michigan, du coup. C'est un Metroidvania, la première personne à propos d'un mec qui s'appelle James qui essaie de trouver son frère Alex. Et qu'il se barre de la maison. Il se tient en nowhere. C'est Silent Hill Homecoming. Voilà, c'est un jeu Silent Hill. Ah, le délire, c'est ça. Dans Silent Hill Homecoming, il y a un délire comme ça. Je ne dis pas que c'est ça. Tout ne se résume pas à Silent Hill, certes. En tout, le délire PlayStation 1 est vraiment cool, quoi. Encore des choses une de Sky, donc. Option. Donc tous les jeux auxquels on joue là sont des démos. Tu n'es pas sérieux? Tu sais que la police elle est worthless. Je peux pas te perdre, Steve, mon James. Ah, je fais partir Alex, c'est ma faute s'il est plus là, là. James, t'en perds, je veux dire, tu peux pas t'en vouloir, tout le monde est sous choc. Personne ne dit rien que justifie ce qui est arrivé, là. James, Steve, mon colis, je reviens, maman, tout va bien, je reviens avant Thanksgiving, Steve. Je te le promets. Je te le promets, Chris. D'accord, Nowhere Michigan. Ok, je peux te jouer, là. Ok, c'est la fin. C'est fort. Ah, c'est dédié à Scotty. Scotty, si tu nous regardes, mon pote. On est là. Est-ce que je peux jouer au jeu? Le mec est insupportable, ça. Je peux jouer au jeu, s'il vous plaît, parce que, enfin, j'attends, en fait, depuis tout à l'heure. Wow, ah oui, c'est Doom, le truc. Je vais interagir avec les objets. I am local, you are looking for your brother, yeah, I've seen him story. D'accord. Ok, merci à toi. Il m'a dit, ouais, on n'a pas tous des trucs intéressants à dire, mais on sait jamais, frère. Je confisque des champignons aux citoyens du coin. Reportez-moi les truffes. Il me regarde. Tu cherches ton frère. J'en sais rien. Pourquoi tu me regardes? C'est pas mon boulot de trouver des gens qui ont perdu, qui ont disparu. Parce que mon nom entier, c'est Police Officer que je vais t'appeler. D'accord, c'est drôle. Oh les champignons, esti, c'est bizarre. D'accord. Il y a les champignons qui me parlent. Il y a Gandalf. Vous foutez la gueule de qui, c'est quoi encore ça? Oh, un nouveau de petite ville, bienvenue. Je suis Wizardo the Average. Sorcier le moyen. Je suis le sorcier de la ville. C'est pas mal ça. Le moyen, je suis rond, je suis bof. Pas ouf. Enter the Void. Ah bah non, c'est Enter the Void sans le cul, mon gars. Tu veux que je fasse un sort je ne sais pas ce genre de mec. Exit the Void.
Cancel the Void. Anyway, you're looking for your brother. Oui, Assassin's Creed with a mask, d'accord. La musique est forte, là, l'air. On va baisser la musique, alors qu'elle était déjà pas forte. On va la mettre à 20, 25. Hop là. Résumé. Tu me donnes des advice, bah c'est gentil. Je save. Oui, j'overwrite le slot 1, y'a rien dedans. Un homme singe. Le tour de la... Ah! Ah! D'accord. Ouais, c'est bon, j'arrête. Alors, Il y a un clown. C'est fou là, il y a ce con. Boubou le Fool. Onk Onk Boubou the Fool. Here to report that this is the official Nowhere Clown Corner. D'accord, bon, super. Alors. Oh, je peux sauter. Oh, il y a un grand œil qui me regarde tout à fait. Tout à fait normal. Bon, allez, je vais dans la tour. Le flingue. Je veux un flingue. Je vis bien trop vite pour pas avoir de flingue. Donnez-moi un flingue, là, contre vous, là. Ok, donc je viens de là, je suppose. Oui. Putain, ça a géchant, Poudlard. Oh, je peux faire un double jump. Merci à toi, mon petit srab. Wizardo. Salut. Ma femme Esmeralda, la grande. La collection de bonbons. Schlarp Crunch. Yes, on est là. Trademark. And she threw it out. Oh god, I wish I had made this bar. Oui, d'accord. Bon, bah, ça veut dire qu'il faut que je la retrouve, on a compris. Ça va vite. Ouh! Ah oui, d'accord. C'est le truc des singes. Ok, où il a tous ces singes bâtards. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Salut mon pote. D'accord. En vrai c'est prometteur un peu. Ça a l'air couille un peu. Couille. Ça a l'air couille. Bah non! Oh là! Oh putain! Ah oui, d'accord! Ça a changé, là. Gare à la rétine! Hein. Oh la vache! Ah oui, d'accord. Compliqué, cette histoire-là. D'accord, ouais, ok. C'est pas ma faute, ne me virez pas. C'était pas prévu, mec, hein. Tout va bien. La route est barrée, on a eu un incident avec un poltergeist. J'entends ce que vous dites. C'est pas clair, hein, cette histoire. D'accord, et donc je peux pas y aller. D'accord, ça n'a aucun putain de sens ce jeu. Allez. Wow. C'est chelou, hein. Ok, alors, hop, je vais aller voir le grand taille, vu que je peux sauter maintenant. C'est David Lynch sur 20, quand même. Hein. Ah bah, j'ai la clé. Le Slumber District. C'est quoi, Slumber? Oula. Bah bien joué, mec. Oula, les yeux, mes yeux. Ah, le vaginos. Ok, let's go. Ah,
Ok, je suis entré dans le corps de quelqu'un, visiblement. Le monkey, kékéké, whoop. Putain. Ah non, 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 non. Arrêtez ça, arrêtez ça. On a purple vein to travel along it. Ça n'a aucun putain de sens ce jeu, hein. What the fuck, on est dans les backrooms. Fais le dupe. Attends, je save, je save. Ah, ça y est, c'est glauque. Let's go. On est là. You stare intently at the fountain feels nervous. Malicious entity. Plus 5 ou des... D'accord, j'ai eu plus 5 en intimidation. On est heureux, non? Ça n'a aucun sens. C'est très très cool, ceci étant dit. Wow, Vaporwave sur 20. Ok, c'est... Turbo Vaporwave. Oh, j'aime tant. Le plongeur de l'enfer, d'accord. My warning cube, it's a living. Ok, c'est badant. Un amalgame de... Oh là là. Ok, c'est long. Salut. Bon, c'est cool la vaporwave, mais c'est chou quand même. Moi, j'aime bien l'ambiance. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un jeu. C'est un jeu qui se passe délire. C'est le délire des backrooms, sauf qu'en fait, c'est un délire où on est dans des sortes de piscines intérieures et tout. Et vraiment, c'est ultra badant. Je pense que je le ferai aussi. Sûr. D'accord, si je trouve un quarter, bah ça c'était pas prévu, mais écoute. Y'a pas de soucis, mon pote. Moi, je trouvais mon frère qui s'appelle Alex. La base, hein. Cage avec les bleus, superbe. Bon, le Helldiver, je m'en bats les couilles. D'accord. C'est magnifique, hein. Oh non, oh, c'est bon, ok. Bon, apparemment je suis en enfer. Ça n'a aucun sens. D'accord. Allez, salut. Bien. Alors. Bon, du coup, dernier jeu, Ten Dead Doves. Est-ce que vous allez découvrir pourquoi tous les oiseaux sont morts et n'ont rien laissé rien d'autre que des empreintes? Next, absolument. Ça commence très bien. What the fuck? Oh, c'est joli ça. Oh, j'aime bien ça. Oh, j'aime bien. Oui, 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 non, non, oui, non. Oui, non, 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 oui, non. Ça, c'est un clin d'œil évident à... Oh, la gueule. À Retour vers le futur, évidemment. J'aime beaucoup trop l'animation, je trouve ça beaucoup trop cool. Regardez la tronche du mec, elle est incroyable. Oui. C'est oui. C'est validé.
Bonsoir. Je peux vous aider ? Oh, il va être dans le top 3, lui. Entièrement d'accord. Attendez, je vais essayer un truc. Non, ok. C'est pas super liminal. C'est David Lynch sur 20, clairement. Le sprint, énorme charisme. Oh là là, c'est oui hein. C'est validé. Oh là, oh là, oh là. Quoi? Ok, marcher que dans les zones blanches. What the fuck? Crack of thunder in the air around us, touched our wrists on this great manuscript. Shambling shakes of cloth and oil drapes for a muddled trail limps through this hall. Pourquoi j'ai pas d'item ? Je vais m'énerver ? Non, c'est ok. Attends. Ok. Je peux pas aller le voir. C'est trop stylé. C'est trop badant, c'est trop stylé. Oh la gueule quoi. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. C'est un cauchemar. Let me know when your tongue is done spelunking my van's cup holder. I need you to navigate for me. Dis-moi quand... quand ta langue aura fait... terminé de faire de la spéléo dans mon porte-gobelet quoi. Ça commence très bien, j'aime beaucoup. La gueule quoi. Who the hell gave you these directions? Magician never reveals their secrets. Neither does the Zodiac. C'est le genre de jeu que je vais faire en full quoi. Ah, l'idée est trop bien. Huh. If I was back 40, I'd name my store something real stupid too. I like it. Quand il y a un délire un peu point and click, ça fait très Silent Hill hein, dans le gameplay. D'accord, il n'y a rien.
D'accord. Lobster State, ok. Hey, Mark, how's doors knocking? Keys are on the rack. Paying customers only. Oh, my stomach is eating itself. Yeah, we're, pumped too. Aren't you guys a rest stop? Who makes a man pay for a bathroom? Don't forget to gas her up. Oh, we are way past that point. C'est bizarre. Ok. La NASA a confirmé la découverte. Oh là! La planète la plus vieille. D'accord. Comment elle s'appelle? Methuselah. D'accord. L'Entrocranax. Leonard Cranax. D'accord. Resolute Retributes. Ça a l'air bien, dis donc. What the fuck is up, Dennis? Jag off, non, mais le gars. I'll have to nab a souvenir on the way back. Are we there yet? Aha. Yolo. I'll have to nab a souvenir. Non, ta gueule. Rigolo sur 20. Eh bah, grosse ambiance! 50-50 chance on this being fresh or not. Le freezer! I do not need anything cold. Makes my teeth hurt. D'accord, mec. Vous entendez bien ou pas? Parce que le mec parle pas fort. A six pack of a lock of cock. Stuff will get you. Aloka coke. Coke. Aloka. Ouais, ça marche pas trop. Je prends tout. Wax mix. These always get stuck in my teeth. Ouais. D'accord. Promis, il va se passer un truc après. Bon, je vais lui causer à lui. Hein. Mais pardon, excuse-moi. Oui, on passe in through. We just need supplies. Vraiment la tronche, c'est pas possible quoi. Hello. Yeah, okay. Il a l'air un peu shady, donc tu lui dis pas que t'es un keuf quoi. J'écoute. Ah bon? You know that fence is there for a reason. Mm-hmm. Don't go learning something you can't forget. N'allez pas apprendre quelque chose que vous ne pouvez pas oublier. Hein? Oh là, cette tronche, je vais jamais m'y faire. Hein. Tout est à 100%. Bon, je peux pas être plus fort. We'll find it. Easy for you to say. I'm the one driving. C'est creepy, mais en même temps, c'est cool. Yeah. What are you gonna do when we find it? Probably take care of my family. Have you told her? Tu lui as dit? Non, j'ai pas dit, est-ce. Fuck. How do you break something like that? Comment tu casses quelque chose comme ça? Sting. C'est comme un couteau de boucher qui pend deux au-dessus de mon cou. Rien dire. I wonder what it took to get those guardrails up here. D'accord. That's a bit morbid, Sean. You know what I meant. The guys who built that shit, the Valley Authority. All right, le mec a son sac à dos dans la bagnole. Hein. Il est assis avec son sac à dos. Il est peut-être plus confortable dans la vie, mais. Il a choisi de vivre la vie de manière douloureuse. Some old bones in the 30s probably built those. Just watch where you're going. Trust them about as far as I can throw them.
Did you know that in Utah you can drink soda but you can't drink tea? Oui, non, c'est pas le cas. Just don't swear around my I'm not a Mormon. Ne dis pas des trucs des gros mots près de ma fille. Pourquoi tu parles de sa fille, on ne sait pas. That doesn't sound good. What, your old rust box stopped working? No. The tank says E. E. I can guess. E E E. I. Great. Vous avez pas la ref. I guess we better start walking. The daylight's almost gone. Ouais. Sean, we graduated from the Paleolithic era long ago. C'est long. C'est très Blair Witch. Fait par les mecs qui ont fait South Park, visiblement. Sean, what is the first rule of hiking? Kill everyone you meet. Stay. En fait, ça pourrait être un scénar de film, mais ils ont décidé de le faire en jeu vidéo, et je trouve ça plutôt cool. Alors, ça s'applique à plein de trucs, hein, mais c'est cool. Enfin, ça pourrait s'appliquer à plein d'autres jeux, quoi. Mais là, pour l'instant, en tout cas... C'est vraiment un site interactif, quoi. Un jeu interactif. Ouais. Ok, j'aime bien, il a de la gueule. Licence platée. Sean is a fan. Go fast, d'accord. C'est vrai qu'aux États-Unis on peut faire ça. Il y a un truc là. C'est mon pote, ok, c'est bon. Oui, je peux rien faire d'autre que. Ouais, je vais aller le voir. J'ai un point de côté. I see you've joined me on my death march. You want to be up front? Good idea. I'll hit all the tripwires for you. Allez, on y va. Paranoid. Unless you're somehow a different Sean, I think I'm better safe than sorry. Oh 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 oh. Trash. Take. Gentil. Et là, on se fait rouler dessus, fin de la démo. You weren't even walking the right way. Left side of the road against traffic. What, you want me in a stroller too? That's a great mental image. Goo goo ga ga. Bitch. Goo goo ga ga bitch, quoi. Je suis de bon côté, non? Non, c'est comme ça que je devrais. Left side of the road, ok. It's been a long time since my ears popped like this. That's the spirit. Let the wind carry you through the mountains. Promis, hein, je pense qu'il va se passer des trucs après. Give me and farm or give me death. Knock on wood. Imagine the fanfare. J'aime bien, moi, j'aime trop les trucs avec les caméras qui sont coincées dans des coins. Samtastic Fams. Fantastic Sams. Ah. Stetson. Joli. Ah, c'est un T-Bone Steak. Un truc qu'aux États-Unis, il y en a plein. Ah, c'est bon, T-Bone Steak. On va voir là-haut. Alors, si je marche dans le. Donc, je vais pas ramasser tout le trash quand même. C'est long. Some months ago, I detailed the report of a missing teenager in the deep forest. D'accord. Il y a un adolescent qui a disparu dans la forêt. Qui était motivé par. Donc en gros, il y a quelqu'un qui s'est perdu parce qu'en fait, il a vu des photos et que les photos lui ont donné envie de chercher des trucs. Voilà, j'ai bien compris.
Ça va, ça va. Énorme ambiance. Oh, c'est loin. And gone. I'm not walking 3 miles. I'm cutting through the woods. Do you have a drop of common sense in your body? No, but I have legs that are faster than yours. D'accord, bon ben on va faire ça. Coupé par la forêt. Man, I always forget how quiet it is out here in the forest. Thanks for doing this, Sean. I always meant to hike up. Et de la musique bizarre, c'est bon, ça commence. Well, above all else, I'm a promise keeper. Désolé, je traduis plus, hein, j'ai la flemme. Il y a une chaise dans le chemin. C'est pas une chaise, c'est un escabeau. David Lynch. Oh la gueule, non mais vraiment. It's just... Hey, you good? Non, ça va pas visiblement. Do you wanna go back? C'est ça. Je enfile ton TikTok, d'accord. Non. There is no going back. Y a pas de retour arrière. D'accord, ça va mec. Its very presence unnerves me. Ben oui, on est d'accord. Mais... Attendez. C'est dans le jeu, hein. Il est coincé. Non, c'est bon, c'est ok. Hey, if we find a jerry can, I can siphon the gas out of a car with my mouth. D'accord. Fais pas ça, c'est un peu dangereux. I bet you $10 to put your head in that thing. Allez, hein. Look at that desperate. Bon bah non, alors. Putain. Bon, je peux récupérer des items et tout, mais j'ai pas l'impression que ça va servir à grand chose. Ah bon, sans deck. C'est maintenant que tu dis ça, toi. That sucker's buzzing. I'm not trying to grill today. D'accord, ouais. Il y a les poubelles. That electric fence. It stretches along the entire road. Was that always there? Bizarre. Looks like we're not getting gas from that. We should phone for help. Oula. Mais j'étais là tout à l'heure, non? Oh, il y a une ombre là. Vous l'avez peut-être pas vu, mais il y a une ombre. Salut Max. Merci d'être passé, c'est cool. Hamburger Dough, quoi? The Hamburger Dough Killer est un adulte. Ok, on vient de shifter d'ambiance, quelque chose de fort là. Oui, des trucs par terre, oui. Casse-toi, connard! Non, je me suis pas coincé! Non, c'est ok. Gone to fix the generator. If I'm not back in 10 minutes, come find me. On a shifté d'ambiance d'une force là? Locked.
There's gotta be a key around here somewhere. C'est cette merde là. These are the keys to the gas station. Why are they in the dumpster? Whoa, 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 whoa. Okay, okay, okay. What the fuck? Ok, c'est devenu badant! L'ambiance vient de shifter, mes amis. Espèce de grosse merde. Alors le shed, il doit être par là, le shed, je pense. C'est ça. Ça va virer slasher. J'aime bien le rythme, mine de rien, est osé, quoi, mais... Ah ouais, super mec. We can make... Qu'est-ce que c'est écrit? We can make your dreams come true, we can make your dreams come true. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, j'aime beaucoup moi. J'aime vraiment beaucoup. Some sort of fuse. Looks like it controls this place. Doesn't seem to be broken. Power is diverted to a different source. J'ai de voir s'il y a un pattern, mais... Alors quand j'appuie là, il se passe quoi? D'accord, quand j'appuie là, il se passe ça, ok. Ok, alors attends. Donc la Ant Farm, ok, d'accord. Ok, j'ai l'impression que c'est l'endroit où je dois aller, mais... A strange system of panels. I can fix this. It might reset the electricity. Ouais, j'entends, mais j'ai rien à comprendre comment ça fonctionne en fait. Some sort of fuse. Oui, je sais. Looks like it controls this place. Oui, je sais. Ok, donc si je fais hop, hop. Ok, donc ça fait toujours les mêmes. Donc ça, c'est un truc qu'il faut que je comprenne vite. Oui. Badan. All right. Go write your manifesto. Cool. Bon, let's go. Si je pouvais avoir une petite lampe, ça serait pas trop laid. Holy shit! Hein. Long un petit peu plus de contexte aurait pas été trop mine de rien, même si j'ai compris que bon, il y avait un délire avec la Rand Farm, mais. Non. On fait pas passer des choses devant la caméra comme ça. There's nowhere to go.
Désolé, c'est peut-être très sombre. Mais c'est sombre chez moi aussi, donc... C'est des arbres qui bougent. Oh non. Vraiment cette tronche, ça fait très Angela Anaconda. You think now? Yeah, I do. This is news to me, you know, considering we're separated by a live current. It's electricity, dumbass. What am I supposed to do? Fly like a bird and come get you? Lol. Ouais, c'est pas mal. Son of a... What now? Pourquoi vous êtes amis avec des gens que vous aimez pas? C'est bizarre un peu. Ok. Bon, on continue, j'aime bien. On verra, je sais pas si on aura le temps de se faire Iron Lung et tout ça après, mais... Puis on le fera la prochaine fois. Shit. This has gotta be the work of Hamburger Dough. Not funny. Think about it. Two hikers alone in the forest? Mysterious happenings? I kick your ass. I'm just being honest. So, you're the big pants now. What next? Do I have a choice? Cette tronche, vraiment, je m'en mettrai jamais. Looks like this bitch goes on for a while. Whatever it's here for. I get it! We're stuck! The fence is either for keeping people outside or keeping something in. You're trying to psych me out? I don't even need to. Have you hurt yourself today? BS. BS meaning yes or BS meaning no? Bullshit. Just help me out here. I'm freezing my ass off. Here, take old reliable. Best shanker this side of the Mississippi. Shit. Wrong side. What the fuck? Are you serious? You're lucky this fence is here. I'm gonna follow that wall and see if there's another way through. Let me know if you find anything. I'll catch you on the flip side. J'y vais reculons. Ok, ouais, donc le trash. Ah, attends. John? John, what happened? I fell in a hole. Nothing to see here. Ok. Pourquoi il y a plein de poubelles, quoi? C'est bizarre. Alors, scénic. Nanana, Sophia, scénic. Je peux pas travailler machin. Si ça compte, ils disent machin keeps up, I will have no choice but to reason myself to my... Ok. A wall that stretches for miles. No Sean, no supplies. This is a nightmare. Fin de la démo. Bim! Ouf. Après, je sais que Mothered il est sorti, donc si ça se trouve, Ten Dead Doves il est sorti. Ah. Hello. Thanks for playing our demo. This is Mark Byram 2 and Sean Michael Millard. We're making the game. Ah, c'est stylé. Right, c'est leur tronche. You enjoyed and want to see our game completed.
You can wishlist 10 dead doves on Steam. Eh ben voilà. I'm a fictional character. Ça vient en 2022, on est en 2022. I mean, technically we're real people too, but... Oh my god, wait, you're right. Please wishlist and follow 10 dead doves on Steam. Oh, speaking of, we have a website and Twitter too. Yes, oh god, please follow those also. We should be good now, but... Don't leave. Yeah, I don't want to die. Thanks for playing. Ça démarre. C'est trop cool. We're just gonna keep staring at you until you close the game. J'appuie sur F, ça a fait une lampe. Bon, bah c'est un petit bug. Allez, quit game. C'est très cool. C'est très très cool. Je crois qu'on a fait le tour. Tac, 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 tac. Eh bah putain! Bon, le principe est trop bien. Hein. Ten Dead Doves, je le mets dans le top 3. Attendez, je vais quitter. Ouais, le lobby. Ten Dead Doves, il est dans le top 3. Alors, je pense que le meilleur jeu, c'est Dead Letter Department, donc en gros le truc où je devais taper des lettres là. Ça c'était ouf. C'était juste une dinguerie. Ça c'était ouf. C'était vraiment complètement ouf. Ça c'était vraiment trop bien. Donc Dead Letter Department, celui où je me suis chié dessus, donc c'était une semaine à peu près. Mention spéciale au combat de fin du premier jeu. D'aujourd'hui là? Non, du tout premier jeu que j'avais fait. Bah non, il n'y avait pas de combat de fin. Là. Le tout premier que j'ai fait c'était North Star Courier, le truc où j'étais sur un scooter là. Il y a eu un combat? Oui! Oui! Ah oui, c'était n'importe quoi! C'était trop stylé! Ah ouais, c'était trop bien! J'avais oublié la fin de ça, dis donc. Ah ouais! Donc, ça c'était. Donc, celui-là était très bien. North Star Quay, je le mets dans les meilleurs aussi parce que ça rend bien. Il y en a beaucoup, c'était pas mon délire et tout. Mais alors, Dead Letter Department, clairement le meilleur. Je vais y noter comme ça, après j'irai voir. Dead Letter Department. Mothered, en vrai Mothered était ouf. Attendez, je vais aller voir. Alors... Mothered, il existe, il coûte 8 balles. Il est pas très cher, je vais me le wishlist. Dead Letter Department. La démo est là. Ok, donc il est pas encore annoncé. Enfin, il est pas encore annoncé. La date de sortie est pas annoncée. Mais beaucoup trop stylé, quoi. Celui qu'on vient de faire, Ten Dead Doves. J'avoue que la liste de souhait, il arrive en 2023. Bon. C'est trop stylé. Je vais regarder North Star Courier, en vrai, c'était cool. Ah, il le trouve pas. Il est pas sur Steam, en tout cas.
Quand je tape Northstar, il me donne Titanfall 2. Donc Mothered était très bien. Enchained, c'était cool. Plus... Donc je lançais une sorte de lampe comme ça, c'est un truc un peu fast FPS. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui était pas mal là? Ah, il y avait un truc qui était cool là, c'était le jeu chelou. Le truc un peu Vaporwave, là, le dernier qu'on a eu, c'était pas mal. Ah oui, alors attendez. Faut que je trouve ce jeu un peu backroom, bizarre. Pools. Comment il s'appelle? Puis je vais vous montrer des images comme ça, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je suis complètement thalassophobe et globalement, enfin, je suis presque plus d'ailleurs, mais bref. Alors, c'est pas Thalassophobia pour le coup, c'est un jeu ça. Qui a l'air bizarre d'ailleurs. Alors, non, il faut que je retrouve ce truc là. C'était un jeu un peu typé backroom. Jeu backroom piscine. Il y a pas mal de mecs qui ont joué. Hein. C'est pas le jeu des backroom. Weird swimming pool. Ah, ça va être compliqué à trouver ça. Hein. Pool. Video game, c'est ça. Ok, Liminal Space. Donc c'est un Liminal Space. Anemoiapolis. Bien vu. Hey toi. Everyone, this is Man. C'est Anemoiapolis, ouais. Anemoiapolis, ouais. En fait, elle a une sorte de grand liminal space chelou dans une piscine. Ah ouais, non mais vraiment, c'est liminal space le jeu, quoi. Alors, il est pas encore disponible, apparemment. Je pense qu'on peut le trouver sur Itch.io ou un truc dans le genre, parce que j'ai vu pas mal de gens y jouer. Mais je me dis que ça peut être drôle. Enfin, drôle. Pour vous. Ouais, c'est ça, il y a un early access. Ah, je peux acheter 6$, bah peut-être pas, mec. Swim, jump and climb your way through the suspiciously well lit corridors of Minneapolis. Ah ouais, c'est Liminal Space le jeu, hein. C'est un truc de ouf. Iron Lung. Mais oui, je vais faire Iron Lung, calme-toi. Car là, il est minuit, on va peut-être pas se faire ça maintenant. Hein. Je sais pas combien de temps il dure. Là. Durée Iron Lung. Ah non, parce que My Iron Lung c'est un EP. Je pourrais l'écouter ça. Iron Lung game. Playtime. Ah! Apparemment, c'est une heure. La main story, c'est une heure. Après, il y a des mecs, je vois des let's play qui durent 3 heures, hein, donc. Et là, il dit 1h30, 1h. C'est parce qu'en fait, je trouve ça suspicieux que vous me demandiez de faire Iron Lung. Parce que j'ai l'impression que vous êtes là comme ça, là. Iron Lung. Je vais me chier dans le cul. Non. Je refuse de vous croire.
J'hésite. J'hésite. Just do it! Make your dreams come true! Ouais. Alors, la question, c'est ça. Alors, est-ce qu'on avait dit qu'on faisait un truc pour le 31? Le 31, c'est lundi. Sachant que le lendemain, c'est férié. Est-ce qu'on avait dit qu'on materait des films? Parce que je suis pas convaincu qu'on ait gardé cette idée-là. Je crois que Chris sera pas là, et Ben non plus. 31, on est tous là sauf Chris, mais on peut faire un truc. Est-ce qu'on se mate des films, ou alors est-ce que je fais un stream où je joue des jeux d'horreur? Voilà. T'as vu un peu ce que je sais faire? C'est fou. Moi, je le fais mal, mais... Si vous préférez qu'on se mate des films, on se mate des films. Mais donc du coup, ça voudrait dire que je fais Ironlung maintenant. Mais la prochaine fois, ça voudrait dire que je peux faire une sorte de compile Ironlung pour Poppy Playtime. Pour moi, ça me ferait marrer de faire un jeu d'horreur avec Ben. On pourra peut-être même faire du Phasmo. Je sais pas, j'hésite. Minuit 10. J'ai un peu faim et tout. Ouais. Bon, je vais peut-être pas faire Iron Lung maintenant. Voilà, je prends la décision. Je vais pas faire Iron Lung maintenant. Je pense que je vais arrêter le stream, en vrai, parce que j'ai faim. Et voilà. Et comme ça, en plus, ça peut me permettre de pas me coucher trop tard. Puisqu'en plus, comme ça, ça voudrait dire soit un stream plusieurs, soit film. Ils seraient ensemble. À fond. On va voir ça ensemble. Bah, si vous chopez Phasmophobia, on peut y jouer tous les quatre. Voilà, hein. C'est vous qui voyez quoi. Bref, non, bah écoutez, je vais tracer. Vous avez la fibre en plus, ça va. Vous avez la fibre, vous avez les thunes, ça va, faites pas chier. Non, mais ouais, je vais tracer. Écoutez, c'était très cool. Je pense la prochaine fois, du coup. Sauf si on stream ensemble. Enfin, si on stream ensemble, le stream ensemble ne compte pas, mais la prochaine fois que je stream tout seul, entre guillemets, on jouera à Ironlung. Et peut-être sûrement Poppy Playtime. Poppy Playtime chapitre 1 et 2 d'ailleurs, parce qu'en fait j'ai chopé le chapitre 2, il coûtait 4 balles. Qui est la suite directe du chapitre 1 apparemment. Voilà. Parce que j'avais vu d'autres jeux d'horreur du genre visage et tout, mais en fait. Non quoi. Genre ça a l'air un peu pourri visage. Bref, bon bah écoutez jeunes gens, je vous fais des bisous. Je m'en vais vous souhaiter la bonne soirée. Et puis, à très vite. Au revoir.